Notre rendez-vous chrétien, les news du milieu chrétien, la première capsule. Malheureusement, aujourd'hui, on n'aura pas notre rubrique Mon témoignage, mais la rubrique Tikao qui aura bel et bien lieu. Et comme je l'ai dit, des chanteurs sont avec nous. On va prendre langue tout à l'heure avec eux. Et puis, nous allons terminer par notre dernière capsule, le coup de cœur des musiques de vie. Esther Smith va s'installer véritablement maintenant sur les ondes après Cindy Thompson pour faire entendre la voix du Christ. Musique de vie. Esther, Esther, comment tu gagnes? Sing to Jesus. Connecte-toi à l'Esprit de Dieu, car sa parole ne manque jamais. Et puis surtout, il faut te connecter à Musique de Vie, car cette émission a été conçue pour te donner l'espoir. Car rien n'est perdu, mon frère. Rien n'est perdu, ma soeur. Crois à la parole de Dieu et tu verras sa grâce. L'actualité est abondante. Nous allons parler aujourd'hui de sortie d'album. Alors, Gadji, on y va pour les news et les musiques de vie, s'il te plaît. Musique de vie, les news. Un concert dédicace du prophète Joël Carlos, Joël Crasso, voilà. Joël Crasso, parce qu'on parlait tout à l'heure de Joël Carlos, mais cette fois-ci, c'est Joël Crasso qui est dans ce studio, avec qui nous allons échanger tout à l'heure. Alors, Gadji, on va écouter un bout de la chanson de Joël Carlos, hein, Joël Carlos. Ensuite, on va venir pour Joël Crasso. On écoute Joël Carlos. Musique de Joël Crasso, le prophète. On écoute ça. L'année passée était une année très difficile pour moi, c'est vrai. Mais cette année sera l'année de l'accomplissement de toutes les prophéties. Mariage, enfantement, voyage, succès, innovation. Car tu seras pour l'éternel une source de bénédiction. Et pour cela, chante avec moi ce chant. Voilà, Crasso, le prophète s'entend. C'est pour aller contre l'esprit malin. Oui, il a dit dans sa chanson
il faut attacher l'esprit de sorcellerie. Voilà, vous qui aimez, n'est-ce pas, aller contre la vie des enfants des autres. Voilà, vous êtes vaincus. Voilà, hein? Ce cantique, c'est contre vous. Et on va échanger avec le prophète, comme je l'ai dit, qui est dans ce studio. Bonjour, prophète. Bonjour, shalom à vous. Ouais. Moi, que la peur de Dieu soit sur vous. Je suis à Gagnoua pour mes activités personnelles, mais en même temps, passer, faire beaucoup à, je crois, FM Défi, c'est ça ? Radio Défi. Radio Défi. Votre patron, qui est Alain Destin, c'est mon frère et ami. La preuve, c'est que j'ai un morceau de mon album qui porte son nom, j'ai fait une dédicace. Ah oui. Voilà, donc je suis à mon best-of. Voilà, ça fait 2 mois que c'est sorti, et ça cartonne bien à Paris, ça cartonne bien à Londres, ça cartonne beaucoup dans beaucoup de trucs. J'ai fait d'ailleurs une meilleure vente à ma maison de distribution. La preuve, c'est que moi, à mes croisades, il y a 2000 à 3000 personnes qui viennent. Et les gens arrachent l'album comme des petits morceaux de pain. Parce que notre musique détruit la présence de la sorcellerie, qui est le mal cruel de l'Afrique. Et ce que j'ai dit aux gens, en tant que prédicateur de l'évangile à mes collègues, nous avons un seul mot qui mine l'Afrique, c'est la sorcellerie. Qui ne sort que du lanceur de sort, la définition. Et donc, il n'y a pas de sorcellerie positive. La sorcellerie est négative. Donc, la personne habitée d'un mauvais esprit et qui commet assez de dégâts. Donc, un sorcier dans une famille est un danger. Dans un quartier, dans une nation, dans un continent d'un danger, pour moi, nous avons reçu le pouvoir de Christ. Quand Jésus dit dans Luc 10, verset 19, à mon nom vous marcherez si les scorpions, les serpents, et si toute la puissance de Satan, et rien ne pourra vous nuire, nous avons reçu le pouvoir de Jésus-Christ de marcher si les œuvres des ténèbres. Pour l'Afrique, les Blancs ont combattu la sorcellerie au Moyen-Âge, ça a commencé du 15e, du 17e siècle, c'est ce qui est vrai. Ils sont rentrés pleinement dans le siècle de lumière, le 18e siècle, le siècle de la révolution industrielle, le siècle de lumière. Et la révolution industrielle. Là où la société est combattue, la prospérité s'installe. L'Afrique est un scandale géologique. Nous avons tout sous nos sous-sols. Nous avons tout. Nous n'avons pas envié à l'Europe, d'ailleurs. Mais aujourd'hui, nous sommes pauvres. Nous sommes les pays pauvres très endettés à cause d'une seule présence de la sorcellerie. Et pour nous, il faut combattre la sorcellerie pour sortir de ce développement. Ah oui, il faut combattre la sorcellerie pour sortir du développement. Parce que, voilà, et les sorciers créent beaucoup de dégâts. Mais beaucoup de dégâts. C'est des criminels, c'est des gens qui ont cassé des crimes. Moi, en 2012, quand elle a été capturée par notre brigade, je t'informe maintenant. Je suis le maréchal de la brigade anti-sorcier. J'ai une brigade qu'on appelle la brigade anti-sorcier, que nous avons mis sur place, qui nous avons objectif de faire réguler le royaume de Satan et d'imposer le règne de Jésus. Et un règne, ça s'impose. Ça ne se discute pas, ça s'impose. Quand Jésus dit « Je vous ai donné le pouvoir qu'on le donne, c'est supposé. » Donc nous traquons les sorciers et nous les amenons à la délivrance. Nous ne faisons pas comme les gens au Cameroun, parce que moi je suis toujours sur le net. J'ai aussi une chaîne de télé sur l'internet qu'on appelle le YouTube. J'ai plus de 58 vidéos où les sorciers passent aux aveux, les sorciers sont délivrés. Il y a des personnes qui sont dans la sorcellerie, qui viennent dans mon centre de prière, que Jésus-Christ des délivre, qui sont aujourd'hui utiles. Pour dire un mot, que c'est nous. Donc vous faites la reconversion. Mais oui, il faut la conversion, puisque eux-mêmes sont victimes. Quand vous attendez les sorciers parler dans la veille, eux, ils ne sont pas rentrés dans une sorcellerie comme ça. On peut l'initier un sorcier depuis le Saint-Maternel, on peut l'initier. Mais contre son gré, surtout contre son gré, il rentre dans une confrérie, il ne peut plus s'en sortir. Mais il faut juste Jésus-Christ pour le faire sortir de là. Donc pour nous, nous amenons les sorciers à la conversion et nous amenons à être utiles parce que c'est des êtres humains. Et moi, pour moi, l'homme a droit à la vie. Toutes les organisations, vous voyez au monde aujourd'hui, l'ONU, tout ça, nous combattons, les gens combattent pour le bien-être de l'être humain. Où l'homme a droit à la vie, l'être humain a droit à la vie. Et pour nous, de toute façon, il y a les crimes physiques, il y a aussi les crimes spirituels. Pour nous, l'homme a droit à la vie. Et pour nous, justement en confédération, c'est ce que je vous informe aujourd'hui, ce soir, la confédération africaine de lutte contre la délinquance et les crimes spirituels. Donc je suis le guide spirituel de cette confédération. Nous sommes venus représenter un peu partout en Afrique. Nous combattons la prison de la sorcellerie. Là où il y a des sorciers, nous présentons, nous les désarmons et nous les amenons à la conversion. Voilà, c'est tout. D'accord. Alors, Gadi, on va écouter un autre cantique du prophète Joël Crasso et on revient. Les musiques fraîches, la bonne musique, faut vous connecter sur Radio Défi et cet espace Musique des Vies. Voilà, vous écoutez en ce moment le best of, on va dire le dernier cru du prophète Joël Crasso. Alors, prophète, vous parlez de quoi dans cette chanson? Je pense que le
D'abord, Né pour vaincre, ben, le best-of, Né pour vaincre, l'année de l'accomplissement, c'est les deux qui font le best-of. Né pour vaincre, parce que Dieu nous a créés comme des vainqueurs. Bien sûr. C'est pour ça que vous lisez un peu dans les promesses de Dieu dans Isaïe 54, verset 17, toute âme forgée contre toi qui a cru en Dieu sera sans effet. Et je pense bien que le tout dernier, c'est l'année de l'accomplissement. Parce que pour nous, une année est un accomplissement de la promesse de Dieu dans nos vies. Parce que quand Dieu te permet d'affronter une année, c'est pour une bénédiction, pas pour un malheur. Donc je parle un peu de la victoire de Jésus-Christ sur les eaux de la sorcellerie. Parce que sous ça, quand vous voyez un peu le slogan de mon album, c'est la musique qui détruit les eaux de la sorcellerie. Et beaucoup l'ont expérimenté. Toutefois qu'ils ont joué dans ma musique dans leur salon, qu'ils ont une servante sorcière, elle est tombée. Et puis elle était délivrée. Voilà, donc pour moi, il faut le résultat final, c'est deuxième. Mais c'est la dite, mais justement, quand on parle de délivrance, c'est sorti d'une situation. Parce que je vous parle que le sorcier lui-même est victime d'une situation, il rentre dans une confrérie, il ne peut plus s'en défaire, parce que là, quand tu rentres, tu inities, il faut donner d'autres personnes. Il faut seul la présence de Jésus-Christ pour délivrer. Et en même temps, pour dire que le prophète que je suis un musicien, je suis auteur-compositeur, je compose la plupart des chansons de Lato Crespino et les chansons de Désir. Et nous, nous sommes ces gens qui ont fait ce doué-là. Comment faut la promotion des oeuvres. Voilà. Alors, vous êtes à combien d'albums aujourd'hui? Je suis à mon quatrième album. Quatrième album. Oui. Puisque je ne vis pas de la musique, moi, mais ça marche. Dans ma maison, je fais une meilleure vente à mesure plus. Parce que moi, j'ai réuni à mes croisades, par la grâce de Dieu, 3000 à 4000 personnes. Je vends mes albums. Mais moi, je ne fais pas trop de promos. Voilà, c'est ça mon plus problème. Mais je ne vis pas de la musique. Je ne vis pas puisque je suis invité à des yeux. C'est pas que je chante truc. Mais je vends cet album. Oui, il doit chanter bien quand même. Voilà. Ben oui, parce que, mais la chanson, ce qui est dit aux gens, ça fait partie du quotidien. Parce que Dieu, c'est dans la prison, dans la louange. Là où il y a la louange de Dieu, là où Dieu dégage l'onction et tout ça. Parce qu'on savait que Saül étant même possédé, il a failli la présence de David qui jouait à l'arpe, qui a maîtrisé l'esprit de la sorcellerie, qui animait Saül. Donc je pense bien que c'est le quotidien du chrétien. Donc pour moi, chanter la gloire de Dieu, c'est mettre ma voix au service de Dieu par tous les moyens et surtout la présence, la destruction des œufs de la sorcellerie. Moi, je mets tous les défis, les sorciers au défi. Et partout où je passe cette radio, même à la télévision ivoirienne, j'étais là la semaine dernière. Je mets tous les sorciers au défi. Je dis aux gens, Jésus-Christ est Seigneur, ça ne se discute pas. La seigneurie de Jésus-Christ ne se discute pas. Même Aziz 47, celui qui est le plus grand sorcier, qui pense qu'il est sorcier, qui m'invite sur un plateau télé. Je vais lui montrer qui est Jésus-Christ. C'est tout. Non, c'est tout. Ça dit, si quelqu'un est sorcier, gagne-moi ici. Qui dit les sorciers, qui est plus fort que cette histoire d'église? Invitez-moi avec lui sur un plateau de votre radio. Je vous assure, il va manger le micro que vous avez là. Je vais lui montrer qui est Jésus. Je lance un défi à tous les sorciers de la Côte d'Ivoire et surtout de Gagnon pour vous dire, convertissez-vous. La sorcellerie, il n'y a rien. Ça empêche les gens de se développer. Ça coûte la sorcellerie, les gens ne vont plus dans les villages pour développer. Ce n'est pas l'État, c'est nous. C'est vos enfants qui doivent venir développer vos villages. S'ils ont peur de venir développer vos villages, il n'y aura pas de développement. Vous êtes anti-développement. Mais convertissez-vous parce que l'esprit qui vous anime n'est pas un bon esprit, c'est un mauvais esprit. Vous ne pouvez pas déplacer le plateau. Malgré vos pouvoirs mystiques que vous avez, vous ne pouvez pas déplacer le plateau jusqu'à chez vous. C'est pour dire que vous êtes limité dans vos pouvoirs. Vous ne manquez que la chair humaine. Mais laissez les gens vivre. L'homme a droit à la vie. Et celui qui discute ça, invitez-moi sur vos plateaux radio défi. Moi, je vais rencontrer le plus grand sorcier des Gagnois et puis lui montrer qui est Jésus. C'est tout. Moi, mon travail, c'est ça. Tant qu'il n'aura plus de sorciers, j'irai au ciel. Tant qu'il y aura les sorciers, je serai toujours à l'air tous. D'accord. Les traquer, les convertir. Alors, est-ce que vous avez un message particulier pour, n'est-ce pas, nos auditeurs qui vous écoutent? Oui, mais c'est pour dire que la seule solution face aux yeux de la sorcellerie, parce que ceux qui m'écoutent, ils savent, l'Africain aujourd'hui, la richesse d'un Dieu protecteur, il n'y a que Jésus seul qui peut protéger. Moi, je suis victime, je suis plutôt ex-délivré, délivré par la puissance de Dieu. Moi, je suis issu d'une famille musulmane. Le Crasso Boga, ceux qui le connaissent, il sait, c'est mon oncle. Moi, mon père était musulman. Je me suis converti à Jésus-Christ parce que j'ai été vraiment victime de la sorcellerie. Je suis à Gagnon, je parle, c'est si je suis né. Mon père était musulman, mes parents sont musulmans. J'ai été converti à l'islam, à la religion chrétienne à cause de la puissance de Jésus-Christ. Où moi, je sentais déjà, mon père était mangé, détruit par la sorcellerie. Et moi, j'étais aussi atteint par la sorcellerie depuis l'Europe. Et jusqu'à ce que Jésus-Christ me délivre aujourd'hui. Moi, je dis aujourd'hui, la seule personne qui peut délivrer, protéger une personne contre les cieux de la sorcellerie, c'est Jésus-Christ. Amen. Ça ne se discute pas. Amen. Voilà. Allez, merci pour le fait d'être passé. En tout cas, ça nous va droit au cœur. Voilà, on va vous accompagner avec un autre cantique de Jean-Paul. Merci bien, pasteur.